Silence. Le 12, le 12. Mais c'est pas des vrais. On commence par 3, 2, 1. Le choix de l'IFF est un compétiteur. Le choix de l'IFF est un héros. Pas une seule personne peut vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Ça ne dépend que de vous. C'est moi et mes rêves. Ça ne dépend que de vous. Pas une seule personne peut dire « t'es pas capable de faire ci, tu pourras pas arriver à ça, t'as pas le niveau pour ceci ». Ça ne dépend que de vous et des ondes que vous donnez ici dans vos mains pour réussir ensemble. Chacun va partir d'un côté, faire sa petite vie. Il y a ma famille, il y a mes amis. Derrière, il y a votre rêve qui est ici. Il y a tout ce que vous devez construire, comme un soleil. Ça me touche toujours de quitter une promotion. C'est comme ça, hein, on partage beaucoup de choses avec eux, des bonnes, des mauvaises, vous le savez. Mais ce sont quelque part toujours nos enfants. Et on est toujours content de les revoir. Et comme nos enfants, on est toujours content qu'ils partent. Et en même temps, très. Ça nous touche. On tient à tous vous remercier déjà pour votre présence et le fait de nous avoir accompagnés pendant ces deux années. C'est vrai que pour vous, parents, ça a été chaud de faire les allers-retours pendant deux ans, mais on a conscience que c'est des sacrifices pour vous et on va tout faire, croyez-moi, nous tous ici, on va tout faire pour vous rendre l'appareil. Et on vous aime et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est Loris qui a reçu le message. C'est Loris qui a reçu le message, je ne sais même pas moi. Il a débarqué de sa chambre dans le salon.
Papa, maman, papa, maman, j'ai un message. Je suis prêt à faire. Félicitations. Félicitations pour ton stage, pour la rentrée à Carpentras. Alors nous, on était. Mais il est où l'iPad? Alors tout de suite, on a été voir, et puis effectivement. On a vu la liste, et effectivement. Alors moi, je me suis mise à pleurer directement. Et je les ai dit, regardez, j'ai fait, il va partir de la maison. Lui, il y croit énormément. Énormément. Il est à fond dedans. Un short civil. Je t'en mets là aussi, hein, le super. Hein. C'est pour ta salle de bain. Oui. Maintenant, ça c'est les trucs de premier secours, je sais pas quoi. Oui. Non, on met sur l'autre tableau. Tiens, un coup de main. On se quitte. De toute façon, on se quitte pas longtemps, on se quitte 5 jours pendant 2 ans. Donc, on se voit dans pas longtemps. 3 jours. Ça va passer vite. La première fois que j'ai été sur un terrain, je devais être tout petit. Hein, parce que mon père, il en faisait, alors il a voulu me faire essayer. J'étais tout petit, je devais avoir 3 ans, 4 ans. Je devais aller pour la première fois sur un terrain. Après, j'ai commencé en club vers 6 ans. Voilà, 6 ans, j'ai commencé en club. Et vouloir devenir professionnel, c'est depuis que j'ai 8-9 ans. Ouais. Avant, j'y pensais moins, puis je me rendais pas trop compte de ce que c'était, mais depuis que j'ai vu les pros à la télé, tout ça, ça m'a donné envie, alors. Ouais, depuis, j'y rêve souvent. C'est toujours le même rêve qui revient. Je rentre sur la pelouse, une super belle pelouse, magnifique. Il y a le speaker qui appelle nos prénoms, et derrière, il y a 75 000 personnes qui crient notre nom. Une finale de Ligue des Champions et on soulève le trophée. Mets-toi sur le tapis, tu marches tranquillement. Qui es-tu? J'ai besoin de te connaître. T'aimerais gagner le titre? Tous les titres possibles, si je peux tout gagner. Ouais. Est-ce qu'il a un défaut, Samuel? Oui. Des fois, c'est vrai que je suis un peu. Des fois, je suis un peu flemmard. Qu'est-ce que tu dois faire? Faire briller mon équipe. C'est beau ça. Ça représente quoi le foot pro pour toi? Bah, une passion, un sport, un métier. Quelles sont tes autres motivations, Claire Fontaine? De devenir pro. Pourquoi tu les dis tout ça? Comme ça? Hein?
Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Oui. Oui. Oui, je peux y arriver. Sans toucher. Ah, oh, ça glisse. Accélérez là, accélérez là. Allez, deuxième, allez, on y va. Il est là, c'est mon dos. Je suis parti à Sochaux à l'âge de 16 ans. Comme vous, je suis arrivé en contrat aspirant. J'ai fait mes 3 ans à Sochaux. Dans ces années-là, j'ai eu 2 ruptures des ligaments croisés au genou gauche. Je suis arrivé dans une équipe qui était très très forte et j'ai été blessé. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, peut arriver à un joueur qui est dans une équipe très forte et qui est blessé? Il a plus le rythme. Il a plus le rythme. Il perd sa place. Il se fait réveiller au second plan. Il se fait réveiller. Et quand on est au second plan dans un club professionnel, qu'est-ce qui se passe à la fin du contrat? C'est très dur de signer pro ou gros. Voilà. On vous dit au revoir. Le prix de la réussite, vous savez, quand on achète quelque chose dans une boutique, on dit qu'il est toute taxe comprise. TTC. Ben moi, je dis que le prix de la réussite dans le foot, dans le monde du sport, il est TTC. Il faut avoir du talent. Ça, c'est obligatoire. Si t'as pas de talent, t'existes pas. Il faut avoir du travail, il faut faire du travail. C'est le deuxième T. Et le troisième, le C, c'est quoi à votre avis? Ça peut être courage, mais c'est autre chose. Concentration. Aussi, mais c'est autre chose. Créativité. Aussi, mais ça peut être autre chose. C'est dans le talent, la créativité. Du cœur. Aussi, ça c'est pas mal. Caractère. Caractère, tout ça il en faut. Mais le troisième, c'est la chance. Il faut avoir du talent, il faut travailler, et il faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance de ne pas se blesser, d'être bon au bon moment, dans le bon club. Avoir le bon coach, arriver à rencontrer les bonnes personnes, tout ça c'est de la chance. Je pense que j'avais du talent. J'étais en équipe de France U17, une équipe de France U18, ping, rupture des ligaments croisés, pas de chance. Après, je l'avoue maintenant, j'ai pas travaillé. Je pensais que ça allait me suffire. Je commençais à voir les filles, faire autre chose. 6 mois d'arrêt, je me dis, oh, j'ai le temps. Sauf que les autres, ils n'avaient pas le temps. Je pense que le talent que vous avez, maintenant il vous reste du travail et un peu de chance. Voilà. C'est le message que je peux vous donner. Allez, à fond. Excellent, il a même été mieux que le troisième. Il faut quoi pour être meilleur? Il faut quoi pour être meilleur? Il faut quoi pour être meilleur? L'entraînement. Il faut quoi pour être meilleur? C'est un verbe. En vouloir. Travailler. Vouloir. Il faut le vouloir. J'excuserai l'erreur. J'excuserai l'approximation. J'excuserai la fatigue. J'excuserai plein de choses. Mais qu'un gardien de but n'est pas en lui, chez lui, la volonté. Ça, je ne tolérerai jamais. Entre nous, il n'y a pas de langage wesh-wesh. D'accord? Entre nous, il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de ok. Il y a un langage propre. Pas un langage distingué, mais un langage propre, adapté au lieu et aux personnes. D'accord ?
faut pas la demander au sol là. Vas-y, va la finir. 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 C'est grâce à toi là encore. Il a la chance. Il a quelque chose de plus que les autres. Voilà, ça, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais on voit tout de suite quand il prend le ballon, quand il enchaîne, qu'il sait faire des choses que les autres ne font pas à son âge. Et on accélère sur les 30 secondes qui restent. Ouais, ça lâche. Regarde là. Non, c'est un champion. N'Golo Kanté, il est costé, il est costaud. À quoi tu rêves quand tu fermes les yeux? Je rêve d'être sur un terrain de foot professionnel, gagner des titres, surtout gagner la Coupe du Monde. Placer la barre trop petite, sinon c'est pas du rêve alors. C'est un don du ciel, c'est un don que Dieu lui a donné. C'est comme les peintres quand ils veulent toujours dessiner, ils rentrent chez vous, c'est un don. C'est où vous l'avez ce don ou vous l'avez pas. Il dort avec son ballon. Son ballon, c'est comme son doudou. C'est son meilleur ami. Dans mon coffre, j'ai un ballon. Dans la chambre ici, dans la maison, on a un petit ballon. Donc il a des ballons partout. Donc à l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans, je l'ai inscrite à Bondy. Mais en me disant qu'il aime ça. Comme tous les enfants, t'aimes le dessin, je t'inscris au dessin. Ma fille a fait le volet, t'aimes le volet, tu fais du volet. Moi, je suis jamais parti en vacances. J'étais toujours ici, je jouais au foot. Tu faisais quoi pendant les vacances? Je jouais au foot. À Bondy, ici, si tu joues pas au foot, tu fais des conneries dans la ville. Si tu joues pas au foot, tu fais des conneries dans la ville. Pour moi, il faisait du foot comme tous les enfants font du foot. Voilà, déjà. Je me suis rendu compte, c'est quand j'avais des coups de fil de M. Mbappé qui me disait « Tel club veut vous rencontrer, tel club veut vous rencontrer, tel club veut vous rencontrer. » Et il m'a expliqué, il m'a dit bah, « Écoute, quand tu as un enfant qui joue au foot, qui n'est pas pareil que les autres, qui joue bien, il y a des clubs... qui veulent former cet enfant pour devenir encore meilleur. C'est un peu un rêve qu'on aboutit en fait. À ce moment-là, on n'a pas la grosse tête. On se dit pas, c'est le Girondin. C'est plus la satisfaction en fait. On est heureux, c'est de la joie. C'est un rêve qui est en train de se réaliser petit à petit en fait. Trois petits bons en un match.
Non, mais deux petits ponts en une action. Ah ouais, deux petits ponts. Rappelle pas ça. Deux petits ponts en une action. Vous commencez à 45. On commence à 45. À l'instant T, t'es heureux. Ah, c'est un truc simple. Mais qu'est-ce qu'il y a lui là-bas? Je vois l'argent, je vois rien. Waouh, c'est ça y est quoi, t'es dans un club pro, c'est tu regardes ton logo, et ça y est quoi, tu vas avoir des équipements. Aujourd'hui, t'as la femme de la grève, ah toi t'es vraiment fou, tu m'as rendu un fou. Quand tu frappes, tu fermes la cheville et tu bascules là-bas. Là, 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 le bras gauche à l'opposé. Et c'est vrai que waouh, on a des étoiles plein les yeux en fait. Vous voyez Clarence, ça c'est pas mal. Oui, bon centre. Voilà. Oui. De taille moyenne, vif, bonne technique, bonne vitesse gestuelle, élégant avec le ballon, bonne vitesse de course, joueur de qualité à suivre. Voilà. Donc, il a quel âge la Clarence? Donc c'est saison 2013-2014, il y a 5 ans. On a déjà un rapport sur lui, il a 10 ans. Ah bah vous êtes tout illuminé, hein. Les yeux qui brillent. Puis à une fois que mon fils il est suivi, mais c'est pas possible, mais waouh. Ouais, il y a des vidéos, il y a des fiches, il y a des... même pour le téléphone, on peut même venir vous montrer, oui, ça fait... Il est là, depuis tout petit, on le suit. Hein. Mm. Vous voyez, vous dites, ah bon? Vous étiez là, vous? Mais si, on était là, nous. Mais c'est un bon rapport, parce qu'il a une bonne note, en fait... Il y a une note pour qu'on aille plus loin dans la démarche. À savoir, quand il a une note de B, c'est-à-dire que c'est pour la signature. Mon fils, il signe le contrat. Mm. Puis, oui. Et donc, à 15 ans, il est salarié, votre fils. Ouais, c'est est... ça. C'est ça. Salarié. Il a des fiches de paye. Il a des fiches de paye. Il gagne combien? Entre 500 et 600. Ouais, mais non, c'est 500 euros en fait. Oui, je dis. À peu près, quoi. À peu près. Que t'as 500 et après le. Ça dépend après de la catégorie, quand ça monte, s'ils gagnent des matchs, etc. Il peut y avoir des primes, mais ça, c'est la deuxième année, je crois, pas la première année. C'était pas la première année, c'est la deuxième année, je crois. Bon, vous aviez quelque chose à me rendre avant. Je vais écrire là. Mais mets ton nom. Allez, 1h30. Je peux vous le ramener demain? Non, je vous dis aujourd'hui. C'est le dernier délai. Vous le saviez tous? Non, moi je savais pas. Ok, on continue? Non, ça tu m'as appris. Ensuite, l'école arrive. L'école, en général, c'est pas vraiment fait pour les fouteux. On le sait tous, hein. On est les fouteux. On est intelligent, on sait réfléchir. Mais après, bon, nous, on veut devenir footballeur, on veut pas devenir ingénieur. Du coup, forcément, on arrive là-bas. Et c'est quelque chose qui mange un peu de notre temps, en fait. C'est un besoin, en fait. C'est comme on a besoin de manger, on a besoin de boire. Mais nous, on a besoin de jouer au foot. Quand on voit un ballon comme ça, on est obligé de le toucher. On est obligé de faire quelque chose avec. Ça fait partie de nous, même si c'est un petit ballon, même si on voit une boule de papier qui traîne, on est obligé de faire un truc avec. C'est dans nos cordes, c'est en nous en fait. Du coup, depuis tout petit, je voyais un petit caillou, je shootais dedans, c'était... J'aime pas quand ça cause, je suis en chacun de nigraille. J'aime quand ça baisse, j'aime pas les kiss. Et l'argent facile, c'est très dur à faire, mais on s'est passé la claquer. Toujours côtoyer le terre-terre, on faisait la maille quand tu piquais. Pour courir derrière le flic, faut courir devant les flics. Je sais pas, Demain, ça va être un match important, les gars. Et de où je suis sur un point. Tu sais, il va falloir gagner. Il y aura pas Igor, tu connais. Ouais, il y aura pas Igor, ça va être dur, ça, Igor. La semaine dernière, t'étais pas là, on a gagné que 2-1, t'as vu. Il est 18. Il y en a déjà qui sont même pas sûrs de rester ici l'année prochaine, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contrats. Il y en a qui ont un contrat 1 an, il y en a d'autres qui ont signé 3 ans. Il y en a, ils ont des décisions en mai, là. Ils savent pas s'ils vont rester ou pas. J'aimerais bien savoir combien de temps Clarence il a signé. Maintenant j'ai signé moi? Ouais. Je sais pas, moi. J'ai signé 3 ans, monsieur. Moi j'ai signé 3 ans, les gars. On est tous là, on est potes, on rigole ensemble,
on va à l'école ensemble, on est amis, on est une équipe, on est solidaire. Et on sait tous que dans la génération, on va pas tous signer pro. Les coachs, ils vont nous regarder, ils vont se dire là, parmi ces 23, il y en a que un, voire deux qui va signer pro. Mais nous, on pense pas à ça. Nous, chacun, si on est là, c'est parce qu'on sait qu'on a notre chance. Qu'on croit en nous, comme personne croit en nous, et qu'on bosse. Moi, ma motivation, c'est ma famille. Je les ai pas quittés, tous les jours, pas rester avec eux, pour revenir dans 3 ans et sans rien. Je les ai quittés, je sais pourquoi je les ai quittés, et je vais pas revenir les mains vides. C'est ça que je me dis dans ma tête. Merci pour le ballon d'échauffement. 2-1. T'as envie de gagner, Loris? Je ne dirais pas. Non, mais là, c'est toi ou lui. Mais ça doit être toi. Allez. Ok, je prends le temps. Placé. Non, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a soit un problème de placement, soit un problème de poussée. Et surtout, l'envie, le désir, le souhait, la motivation extrême de ne pas prendre de but. De tout faire pour ne pas prendre de but. Rien à faire de tes « oh zut, alors, oh bah alors, oh bah alors ». C'est pas « oh bah alors » qui va solutionner le problème. Go ! Sans ordre. On refait, on recommence. C'était le même ballon. C'était un copier-coller. T'as pas le droit que ce soit un copier-coller. C'est pas possible. Quand on ressort d'un entretien comme ça, on se dit encore plus qu'il y a très peu de chances qu'il y arrive. Enfin, l'exigence, le mental, la pression, le nombre de candidats. Donc quand on ressort de là, on prend la pleine mesure justement de la rareté de la chose et on se dit qu'il ne faut vraiment pas laisser tomber l'école parce que ça sera très compliqué, ça sera très compliqué d'y arriver. Une fois que les devoirs pour mardi sont faits, avancez-vous, faites éventuellement ceux du mercredi. Et puis dans la lancée, si possible, le jeudi. Vu que je regarde là, les 3e 3, vous n'avez pas tant de devoirs que ça. Et il serait mieux pour vous que vous vous avanciez. Ok ? Voilà, Simon, stop. Oui. Voilà. Donc quand tu arrives en retard, tu rentres dans une salle de cours, tu dis quoi ? Excusez-moi. Donc tu ressors, t'as fait quoi ? T'as fait une pâte à crêpes ? Non. Hein ? Non. C'est un sketch. Pourquoi ? Bah, regarde, t'es tout blanc là, sur ta veste et sur tes cheveux. J'ai même pas vu. Donc tu ressors, ah, tu c'est frappes, tu t'excuses de ton retard. D'accord. C'est une blague, c'est un sketch celui-là. Bonjour. Oui. Excusez-moi, bonjour. Lis l'énoncé. Choisis un nombre 2. Mets 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Prends le double du résultat 8. Soustrait au résultat le produit de n par entier qui suit 2. Si, j'ai trouvé.
Ça fait deux, Zier. Moi, je trouve que ça fait deux. Mais le N. Hey, Zier, calme-toi. Tu t'excites pour rien. C'est trois. Calme-toi. T'as compris le truc, c'est bien. Mais tu vas tellement vite que tu t'embrouilles. Comme sur le terrain. Et après... C'est pas moi qui l'ai dit. T'es un cochon. D'accord. Tu vas tellement... Donc, si, c'est vrai, on a dit, hey, écoute là, toi, surtout que t'es à la ramasse. Là. Donc reste focalisé là-dessus. Ok. Un produit, c'est quoi? C'est une addition, une soustraction, une division, une multiplication. C'est l'addition. Oh là 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 là, Jésus, Marie, Joseph. Ah là, le produit, c'est fois. Mais là, c'est fois. Ok. Tu sais, c'est quoi le souci? Non, écoute. Bah voilà. T'es pas concentré, malin. Tu fonces tête baissée. T'es pas concentré. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pressé d'en finir. T'es pressé d'en découvrir. Et t'oublies de rester concentré sur ton sujet. Le 4, 4. Mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. 3, 2. Mais t'avais l'air de maîtriser ton sujet. Chica. Appelle-moi les deux bus. Laisse-moi, Chica. Dépêche-toi. Allez, dépêche. Mala, Aïd, remettez-moi un petit peu votre chambre en l'état. C'est pas top du tout, quoi. C'est pas top. Désolé de vous le dire, c'est pas top. Tu prends ta veste, vous prenez vos vestes, manteaux, et vous les accrochez. Ils sont à l'état brut. Et nous, on va les polir. Tu vois, on va essayer de les... De les rendre professionnels. Voilà. Tu vois? On reçoit une pierre précieuse, un diamant brut, et on doit le polir. Vous allez voir qu'il y a un contexte particulier sur ce match-là. C'est-à-dire qu'il y a tous les cadres techniques français qui sont là en séminaire et tous les recruteurs français sont venus aujourd'hui. Donc, beaucoup de monde autour du match. Victoire obligatoire. Victoire pour tout le monde, les mecs. Vas-y, Rasko. Vas-y. Allez, les mecs. Deux fois. Viens, la télé, là. Perds pas. Applique. Allez, vas-y, va, Belayan. Allez, va, expliquez-les. Ben voilà. Et là, pas droit. Encore, expliquez-les, Belayan, encore. Très bien. Ça dépend à quelle heure. À quelle heure ça te fait pas? J'ai l'équipe 19h à 19h30. Il a bien joué. Très bien. En fait, il commence plus à oser à récupérer la balle. T'as vu ce qu'il a fait avec le garçon? Il a récupéré la balle. Ça, c'était trop top. Trop top. Il a plus peur. Il va à l'affrontement. Après, il aime dribbler, hein. Ça va aller. À Monaco, moi, ça me rassure. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ce que j'aurais voulu. En sachant que je ne suis pas avec mon fils. Il va dans un centre de formation. Et Monaco, c'est pas tout de suite intéressé aux joueurs. Monaco, c'est intéressé à la famille. C'est ce que j'ai vraiment aimé avec Monaco. J'en ai rencontré des clubs. Il y en a, c'est votre fils, que Malamine. Mais quand je suis arrivée à Monaco, c'était pas que Malamine. C'était le bien-être de la famille.
ils ont fait un contrat en sorte que vraiment, ils ont pensé à notre bien-être. Et ce n'est pas que financièrement, croyez-moi. Parce que, comme on dit, hein, certains disent l'argent ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, les gens disent si. Mais je pense que... ils ont fait les choses bien. Là, ça va faire 4-5 mois, je suis en régional, on joue des petites équipes de région en fait. On joue pas des Paris Saint-Germain, des clubs nationaux, non, on joue les clubs de région. Forcément, je rentre sur le terrain, je me dis, je suis pas là où je devrais être. Moi, je veux être en nationaux. Je suis frustré un peu. Du coup, forcément... C'est pas clair, Clarence. Allez, allez. On va faire. Mais je m'énerve vite. Il n'y a pas d'appel. Tu mets le ballon où? Ouais, je le mets où? Tu le mets où? Tu le mets sur le joueur ou l'appel? Va l'avant, va l'avant. Encore, encore. Prends pas ta place, prends pas ta place. Allez, Dylan. Comment t'as ressenti ton match? Première mi-temps ça allait, mais après... En première mi-temps ça allait? Toutes les relances que t'as faites là? Ouais, mais ça après ça c'est une erreur d'analyse, pas d'envie. Le pénalty? Le pénalty pour moi il n'y a pas faute, mais le fait que je saute pas et que je reste en dessous, ça... Et que tu baisses les fesses? Et que je baisse les fesses. Ouais. Ta prestation, tu l'as dit, elle était comment? Moyenne. Moyenne. Après, t'as un potentiel mais tu l'utilises pas encore. Donc les axes d'amélioration maintenant, si on, aujourd'hui on doit se dire qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir avancer? Je sais pas. T-shirt par terre là. Ouais, t'avais mis un t-shirt ici et ici. Et après tu t'étais mis à genoux. Moi j'étais en face. Et je tirais mon pénalty comme Maradona. Et tu m'obligeais à plonger en plus. Tu m'obligeais à aller chercher le ballon. Il faut à un moment donné, je pense, dans la famille, qu'on... Voilà, qu'on leur fasse quand même garder leur vie d'enfant. Le bonheur de vivre une vie d'enfant. Quand tu plongeais pas, je m'énervais. Je me rappelle, quand moi je plongeais pas, tu disais que je faisais pas exprès. Ouais, je faisais exprès. Et tu voulais à tout prix que je plonge, je joue comme un vrai gardien. Ouais. En fin de compte, quand je jouais comme un vrai gardien, ça t'énervait aussi quand tu marquais pas. Ouais. Parce que du coup, moi je marquais pas. Ce sport-là, c'est un sport qu'ils ont choisi, ils en feront peut-être leur métier, mais il faut que ça reste un plaisir. Voilà. Faut pas que ça devienne un travail, quoi. Faut que ça soit toujours un bonheur d'aller sur le terrain, un enchantement, qui garde en fait toujours les joies qu'il a depuis tout petit à jouer au football. Ah wow. Thank you.
Les cours de quoi? Tu travailles? De français, de bah oui, au collège Rambouillet. Ah, j'ai comment tu au collège, quoi, Catherine de Vivonne, il s'appelle. Respectez son nom. Catherine de Vivonne. T'as un prof? Non. Là, non. Ah, je crois que t'en avais un seul pour toutes les. Toutes les maintenant, matières. J'ai prof de français, prof de. En fait, j'ai tout. Attends, j'ai pas musique. J'ai pas sport. Normal, normal. Quoi? Non, mais j'ai tapé un autre en plus. Bah, peut-être tu seras joueur con. Ouais, voilà, c'est ça pour revenir. Peut-être on te verra la courir à la télé courir à part le ballon. Mais si il est gardien, il va pas courir en fait. Ah, ouais, merde. Cool. Bah qu'il arrête les balles. Oui bah c'est un peu le but, tu vois. Enfin moi pas le but où je le prends. Hein. Il va falloir que tu ranges tes affaires après. Hein. Mais prends ton temps, réfléchis-toi. Dans ton manteau, par contre, dans l'armoire. Ah, et c'est direct, là. Tout de suite. Une PlayStation. Foot. T'as eu des contrôles, là, la semaine ou pas? C'est vrai? Et t'as eu combien? Tu penses que ta moyenne va augmenter, là? T'en as 10, là. Ah, il est encore blessé quand t'as 12. Mais c'est lui, c'est lui, ça m'a baissé. Oui, mais chérie, t'étais au-dessus de la moyenne de la classe. Mais parce que c'était le début, ça, c'était des révisions de quatrième. Là, on entame vraiment la troisième, mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, mais pour de vrai, c'est compliqué. Là, c'est soit t'écoutes en classe, t'apprends, soit t'écoutes pas en classe et tu te perds. Même si t'écoutes pas en classe et que t'apprends tes leçons, tu te perds. Mbappé, là, ton jeu, là, il est pas très bon. Hein. Il est bon, c'est juste. T'avais c'est pas marqué. Ah. Il n'y a rien sur elle dedans. Bon, sinon, à part ça, t'es prêt pour le match de demain? T'es prêt pour le match de demain? Moi, je suis fatigué, j'ai besoin de récupérer. Tu veux, je dis à Antonio que t'es fatigué quand je joue. Oh non, non, va ça. Non, mais parce que je te promets, t'es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Comment ça, t'es pas fatigué? Je ne suis pas fatigué. Mais tu vas me dire tout de suite que là, t'as envie de. Non, actuellement, là, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Tu me parles déjà du match de demain. Mais demain, si tu veux louper le match, non, je ne peux pas. Il a dit que c'était pas important. Non, arrête de dire ça, maman. C'est moi, c'est que. Arrête de me dire ça. Tu me dis ça. Mais après, moi, si t'es fatigué, non, moi je suis pas fatigué. C'est pour ça que moi je vais aller aboutir si ça continue. Regarde, tu vois, c'est à cause de ça. Mais moi, c'est ta santé, chérie. Je veux que tu sois en forme. Je suis en forme, t'es en forme pour demain? Oui, je suis en forme. Donc tu marques un but alors? Je sais pas, moi, ça c'est Dieu qui sait, maman. Oh, bon. Bon. Quand tu marques, tu me fais un petit cœur comme ça. Je t'ai rien du tout. Je te veux rien du tout, moi. S'il te plaît. Non, non. Un petit cœur comme ça, la semaine dernière. Non, et moi, je vais. Oh, monsieur l'arbitre. Eh, pour garder l'assistant, c'est n'importe quoi, là. Aïdé, t'es pas capable de me l'envoyer là-bas, le ballon? Ça tranche, c'est dur, je le sais. Allez. Maintenant. Mais bon, monsieur l'arbitre. Remets-lui. Allonge. On est mort. Bien joué, avant. Allez, va. Maxence. Mais viens-vous, là. Je suis un mouton. Maxence. Rien, pas un mouvement, pas un déplacement, pas une passe, pas un contrôle. Je vais même pas rentrer dans les fondamentaux techniques, y a pas besoin, on n'a rien réussi. Ça. Oublié. Ça. Ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça sert à rien d'écrire, de faire des ça sert à rien. Pourquoi? On n'a même pas mis le minimum pour faire un match de foot. Rien! Rien!
On pourrait jouer à 10 contre 11 qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne trouverait pas la solution. C'est normal, on n'a pas le minimum. Le football, tout se remet en jeu le lendemain déjà. Le lendemain de votre match. Je ne vais pas vous demander de réussir des choses. J'aimerais bien déjà qu'on court un peu. Déjà. Oui ou non? Je vous entends pas. Oui ou non? Mais sortez-moi du vestiaire et allez-y un petit peu là. Arcel Paris Jérémy, ton petit là, faut t'aller bien. Aujourd'hui, je suis encore plus fier de vous que les autres jours. Bravo les garçons, je suis fier de vous. Vous allez applaudir tout le monde. On va dire que ça va faire 4 semaines que je suis pas sur les terrains. Je me suis blessé à l'ischio. Au début, bon, c'est pas grave, on fait nos soins. Et à force, ça devient lourd. On peut avoir des pensées, ouais, vaut mieux que j'arrête tout, ça sert plus à rien. Est-ce que je vais revenir au niveau? Est-ce que je suis vraiment assez fort? Techniquement, on se dit, ouais, ils ont progressé, ils font des séances, moi je suis là. Ici, c'est un club pro. Ici, t'es pas bon. Ouais, on l'a déjà bu. Ça va? T'es gelé? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Bon, tu vas voir tes amis ou pas? Ouais, il ouais. Faut que j'aille dans le vestiaire. Ouais. Ok, bon, bah, tu vas voir. Hein. Monter, hein. Ouais, va monter, va ça. Non, non. Non, c'est t'es bon. Pas. Non. Je l'habite! C'est cool! Le centre des formations, c'est la jungle. On est tous amis, on est tous potes, mais au final, il y en aura très peu qui en ressortiront. C'est une sélection naturelle. C'est comme si on était dans la nature. Il n'y a que les plus forts physiquement et les plus forts mentalement. Et ceux qui ont le plus envie de vivre, qui resteront en vie et qui mangeront les autres. Il y a des gens, ça peut leur faire peur. Il y a des gens, ils peuvent se dire, bon, c'est dur, j'abandonne. Mais moi, en fait, justement, ça... Ça me motive. Ça m'excite. Ça me donne envie, justement, de réussir. Plus c'est dur, plus c'est... Plus la récompense qui est au bout, elle est satisfaisante. Là, t'es tranquille, tu médites, tu penses à rien d'autre que... De méditer, on va de la nature. On va changer de batterie, t'es bien, retourne chez toi et peut-être reposer, tranquille. Ma blessure, j'en ai pas parlé
sur, même, sur le moment même, du coup, je me suis dit que j'aurais dû en parler un peu avant. Ça se trouve, ça s'est aggravé pendant ce temps-là. Du coup, ça se trouve, j'aurais été arrêtée moins longtemps que là, là, maintenant. On a des regrets parce que on voit les autres qui s'amusent et nous on est obligés d'attendre sans toucher le ballon sur le côté. Toi, tu sais ce que tu veux faire et tout. Moi, j'ai envie d'être footballeur, moi. Ah ouais. Et genre, t'as un plan B et tout. Faut toujours avoir un plan B. C'est quoi, plan B? T'as pas de plan B? Mais tu en sais, hein, c'est important. Que ça marche ou que ça marche pas et tout, il y a un après le football et tout. Faut avoir une petite idée derrière la tête, tu vois. Donc, les études, c'est important, tu sais. Les gens, ils gagnent autour de combien, à peu près? Comment? Les gens, ils pensent, je pense qu'ils gagnent autour de combien, à peu près? Moi? Ouais. Comment ça, les gens? Bah, les gens qui travaillent et tout, dans la vie. Le SMIC, 1200. C'est ça. Tu devrais bien travailler plus longtemps. Je sais pas. Tu sais pas? C'est pour ça qu'il faut penser au plan B. C'est important, hein. Tous ceux qui font du foot, ils font pour la passion, mais on sait aussi c'est pourquoi. Faut pas se mentir. Je fais ça parce que j'aime, mais je sais qu'il y a de l'argent derrière. Si personne peut dire qu'il fait du foot 100% pour de la passion, c'est mentir, ça. Tu penses qu'il y a trop d'argent dans le foot? Ouais, trop. Je dis juste qu'il y en a trop, mais si tu me proposes le salaire à Cristiano Ronaldo, je le prends. Très vite, même. Même celui de bout de bouche, je le prends. T'en feras quoi? Partager avec ma famille, donner à ma famille, aider ma famille. Cherche le but direct. Même là. Le but, il est face de toi. Cherche-le. Éliminer, c'est facile. Tirer, c'est difficile. Comment tu peux hésiter devant un dribble? Normalement, c'est toi qui dois savoir ce que tu fais. Pour moi, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Il m'aide beaucoup. Il a toujours été là dans les moments difficiles. Et quand il y a un problème, c'est lui qui trouve. Quand je l'appelle, c'est lui qui trouve toujours les bons mots. Tu fais comment pour le bloquer? Il essaye de me pas remonter le moral, mais il me dit de m'accrocher. Continue à travailler. Bien joué. Une villa, il a foutu sa carrière en l'air. Tout ça à cause de quoi? Les deux Nantais arrivés à fond sur lui. Les meufs. On a gardé la interdite Fabio avec Abdoulaye Touré. On a Emiliano Sava qui va prendre sa chance. Que c'était bien travaillé de la part des Milan. Quand tu seras là-bas tout seul. Confiance. Et ça transpire. Tu sais qu'à 18 ans, ils vont te virer du centre. Il est bloqué, il est arrêté, donc il ne peut pas déclencher de dribble, donc il va essayer de travailler. T'es un adulte. Ouais. T'inquiète pas, je vais savoir faire la part des choses. T'inquiète pas, je vais être là pour rester avec toi, je vais dormir avec toi. Il n'y a personne qui va rentrer. Mais toi. Moi j'ai dit à moi.
comment vous allez? Ça va et vous? Bien, oui. Ça a été la route? Ouais. Oui. Bonjour. Maurice, t'as pris quelques centimètres encore. Oui. C'est bien. Ça mesure tous les 15 jours. Ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça va? Oui, très bien. Voilà, très bien. Tac. Ah, c'est ça. 1m69,2. Pas mal. Ça serait pris d'un 10 cm. Hein? Oui. En 20 mois. 10 cm. C'est beau, hein? Hugo, off. Loris, là. Top. Oui, les appuis. Yeah! Qu'est-ce qui s'est passé? Yes, relève-toi. Là, pousse. Oui, encore là, 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 viens là, allez, 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 allez. Oui, verrouille tes doigts. Pousse. Oui, là, 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 Loris, là, là. Voilà, encore là, dernière. Ok. Ah oui, mon petit. C'est rythmé, c'est intense, mais c'est bien, ça te permet de voir un peu. Par rapport aux enfants qui sont passés, on va dire, en centre de formation, il y en a combien qui signent après, statistiquement, un contrat pro? Ça représente peu. Voilà. Non, reste pas là-dessus. Non, il ne reste pas là-dessus. Après, le pourcentage proprement dit... Je suis... Ouais, c'est impossible de le, ouais, de le donner. C'est impossible de dire quoi que ce soit. Il y a trop de paramètres. Puis ce serait mentir. Oui, bien je sûr. Dire, non, non, mais tout à je fait. Vous dire oui, c'est... non. Oui, non. Ce mais... serait complètement mentir et ça, je. L'avenir en tout nous cas, dira, moi, je le ferai pas, quoi. Oui, bien sûr. J'annoncerai pas de chiffre. De... Voilà. On fera tout pour, en tout cas. Exactement. Sortie numéro 4. Jason Ngwabi Lugagui rentre en jeu du numéro 2. Sortie numéro 8. Clément Lerno rentre en jeu du numéro 11. Nicolas Mercier. Valentino. Ami. Ouais, Valentino. Ouais, Sam. Ouais, Sam. Ouais, Sam. Ça va. Sam. Sam. Mais lui, sort. Et donnez pas le côté. C'est la cata. C'est investir, c'est ça qu'il doit pas faire. Au passage, la commission intendance animation qui s'est chargée de cette organisation. Il a pleuré là, vous l'avez vu ou pas? Là, je suis en train de réfléchir. De repartir à zéro, on prend tout au début. Ah, tranquille. Bon, bien joué, oui. T'inquiète pas. Non, non. Ouais. Encore plus vite. Termine là au sol. Pourquoi on va aller dans l'axe? C'est fermé. Attends. Allez, fais-le jouer, fais-le jouer. Il est dans un petit périmètre. Bien joué. Allez, encore. Avancez avec lui, encore. Come on, come on.
Voilà, replace-toi. Reviens, allez-y. Venez, rapprochez-vous. Et voilà, on a le record de points dans les mètres à 40, on n'est pas à 40, on est à 39. C'est pas grave. Réfléchis. Réfléchis. Voilà, en tout cas, sachez une chose, la génération 2004, on avait commencé ça il y a longtemps ensemble. Malamine, tu te souviens qu'on prenait des tartines à Colombe, qu'on avait pris 12-0. Et là, on finit ça contre eux. En tout cas, sachez une chose, je vous aime comme mes enfants. Et je vous oublierai pas. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait au club. Et merci. Malamine, mon petit malin. Voilà. Ton maillot à toi aussi de Bondy. D'accord. Tu nous quittes, tu vas à Monaco. Je te souhaite coupe du bonheur. Ok. Tu mérites. Merci pour tout, pour le club déjà, parce que j'y joue depuis l'âge de 5 ans. Merci pour tout, tous les moments passés, que ce soit avec les coachs, le staff, tout le monde. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, ma mère, Jérémy, tout le monde, mon frère Jérémy, mon frère Eli qui sont tout le temps là pour moi. Et merci à tous mes gars qui sont là, vous êtes tous mes gars, et je vous aime. Merci les gars. Félicitations et... Comme je vous dis, hein, bonne chance à tout le monde. Et il y en a, on va se revoir la semaine prochaine. Et pour ceux qui partent, encore bon courage à vous. Eh, le travail, ça fait que commencer pour vous. Le chemin, il est très, 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 très long. Donc pensez à tout quand vous êtes là-bas. Pensez aussi aux conseils que vous avez eus ici. Pensez à tout. Il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments de joie. Et pensez à tout ça. D'accord, les garçons? Merci beaucoup, les gars. Sur la pelouse, une super belle pelouse, magnifique. Et il y a le speaker qui appelle nos prénoms. Et derrière, il y a 75 000 personnes qui crient notre nom. Une finale de Ligue des Champions. Je vais y arriver. Et on soulève le trophée. C'est toujours le même rêve qui revient. Oui, Clarence, ça c'est pas mal.